derrière le but. C'est passé au-dessus du bâton de Mylan. De l'autre côté, Vance reprend. Passe soulevée vers Dubé. C'est passé au-dessus de son bâton. On retourne la rondelle au centre. Il y aura un combat d'Arvaux et Lavallée. On a laissé tomber les gars au centre de la patinoire. On n'a pas vu ce qui s'est passé derrière le ventre des deux joueurs. D'Arvaux qui agrippe son adversaire de la gauche. A tenté une droite. Lavallée revient au combat. Lavallée a perdu son casque. Là, c'est plus une épreuve de force entre les deux joueurs. Des coups qui sont lancés par Lavallée, mais qui ratent. Un derrière la tête par D'Arvaux. Il y a sûrement une hystérique entre les deux joueurs. Et là, D'Arvaux qui renverse son adversaire. Une bonne droite qui est venue au visage de Lavallée. Les officiels qui interviennent. 13-48 à la deuxième période. Et c'est une bonne nouvelle pour D'Arvaux qu'il a perdu son casque rapidement à Lavallée. Parce que on sait que les blessures aux mains viennent rapidement lorsque tu frappes sur le casque. Et j'étais bien content